Amaya, tu as trouvé ton lit? J'ai vu quelqu'un filer avec dans la forêt tout à l'heure. Un instant, on n'est jamais trop prudent. Hey, salut à vous. Avec tout... Graham, un écureuil m'a annoncé la nouvelle. Ah, j'étais transporté de bonheur. Ah, il est rare que quelqu'un écoute mes conseils. Tu es un client, mais je te considère aussi comme un ami. Bravo. Ah, ce qu'il me faut pour finir mon beignet aux noisettes. Voici ton échantillon gratuit. Il va falloir mettre un peu de douceur dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a, votre visage? Oh, ça se voit. Je rougis. Je suis fiancée, Graham. Mon amour Brambell a dit oui. C'est super. Félicitations. Je parlais des marques, en fait. Ah, ce sont des dards d'abeilles très, très virulentes. Elles voulaient gâcher notre soirée. Mais je les en ai empêchés. Rien ne peut saboter notre amour. Continuez comme ça, Wenty. À bientôt. Garde le teint frais. Parle. Où se déroule le duel? Le duel d'esprit se tiendra dans l'arène. Il me semble que Manny t'y attend. Adieu! À tout à l'heure! J'espère que cela vous plaira, princesse Madeline d'Avalon. La tension entre la guilde des trolls de pont et la garde royale n'a jamais été si élevée. Il faut trouver un accord rapidement. Les ponts doivent nous laisser passer et faire part de leurs doléances. Je n'ai pas de temps à perdre avec des avis. Il faut qu'on trouve une solution pour les ponts. Nous voulons que vous marchiez plus doucement sur nos dos. Soyez respectueux du géant dont vous écrasez les épaules. Arrêtez de vous plaindre et retournez au travail. On en a assez de se faire marcher dessus. Vous ne vous intéressez qu'à vos problèmes. Il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est pour moi? Oh, j'ai l'impression de marcher sur des nuages. Et quel admirable travail. Il en faudrait une paire pour chaque garde royale. Ah... Elles sont douces et soyeuses, mais ce n'est pas prévu dans le contrat. Je pourrais créer un addendum pour ça. On pourrait marcher comme on veut, tout en étant protégé par les chaussettes. Ah oui, ce serait super. Un vrai compromis qui satisferait tout le monde. Je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire. Merci, Graham. La guilde n'oubliera pas. On se revoit à la prochaine réunion. Les nouvelles chaussettes ont adouci les choses. C'était un pas dans la bonne direction. Je commence à m'y faire. Je suis content parce que, pour les trolls, ce n'était pas le pied. Bienvenue au duel d'esprit du championnat. Enfin, la version familiale. Coupure budgétaire. Mais prends tes aises et sache que nous avons déjà gagné. Notre allégeance nous garantit une bonne place à la cour du roi Édouard. Et comment c'est censé marcher? Avant de parler des règles, je propose un toast et j'offre une opportunité. Ce jeu embrase l'imagination de certains, mais je le trouve trop simple.
il lui faut un défi mental supplémentaire. Garde, le cidre de raisin, je vous prie. C'est mon jeu préféré, mais je n'y ai plus joué depuis longtemps. Tu connais la poudre d'hypnose? Une simple dose et tu devras faire tout ce que je te dis. Ou vice-versa, bien sûr. Voilà pour la poudre. Garde numéro 2, si tu veux bien. Je prends ça. Oh, apparemment, tu as le vainqueur. Et maintenant, on joue. Le but du duel d'esprit est de toucher le pion de l'adversaire avec une flèche en déplaçant ses pièces sur l'échiquier. Ton pion tire une flèche après son déplacement. Je commence. Quand j'aurai bougé ce bouclier, regarde comment la flèche rebondit sur les boucliers. À ton tour, Graham. Je ne veux pas faire mon garde royal, mais les règles interdisent de bouger un bouclier que l'adversaire a déplacé au tour précédent. Déplace le bouclier en bas à gauche sur ta gauche. Cela me ravit que nous travaillions au château ensemble, Graham. Et si je deviens roi, tu feras un excellent conseiller. Je vais déplacer ce bouclier. Il faudra qu'ils acceptent que ce qui compte, c'est à l'intérieur. Adindom ! Tu peux déplacer un pion et le faire pivoter pour changer la direction de son tir. Fais pivoter le pion dans le sens des aiguilles. La flèche part toujours dans la direction que tu regardes. Tu comprends combien j'ai dû planifier pour en arriver là. Je vais faire pivoter ce bouclier. L'effet de la poudre d'hypnose s'estompe. Bouge comme tu veux. C'est pas que ça fasse une différence. Je dirais que mon intelligence règne en maître. Garde, garde, j'ai gagné. Mettez à jour le tableau des scores. Nous devons faire quelque chose. Graham va perdre. Vraiment ? Mais vous savez tous que j'ai gagné. Désolé, mais le décret 3214 dispose qu'un garde royal doit assister à tous les combats et que les victoires doivent être validées par huissier afin d'être enregistrées pour la postérité dans nos archives. Malheureusement, l'échiquier a été compromis avant qu'un huissier ne valide la victoire. En conséquence, cette victoire est annulée et vous devrez remporter une nouvelle partie. Nous sommes désolés, mais vous parviendrez sûrement à obtenir une nouvelle victoire. Vous êtes les gardes les plus ridicules que j'ai jamais rencontrés. Peu importe, cela ne fait que repousser mon adoubement. Je suis prêt pour une nouvelle victoire. En garde! Déjà de retour, du jus de raisin. Une impression de déjà-vu. Poudre d'hypnose. Mélange.
maintenant, choisis. Je prends ça. Oh, excellent choix. Et je n'ai plus de poudre d'hypnose. Et maintenant, on joue. J'aimerais avoir d'autres poudres pour améliorer ce jeu. J'ai vu suffisamment de poudre magique pour aujourd'hui. C'est une ouverture là, Graham. Que dirais-tu d'assistant royal de Sa Majesté, Graham? Encore une victoire! Huissier, s'il vous plaît. Le décret 3214? J'en ai peur. Incroyable. Tu es sûr de vouloir déjà rejouer? Oui, je n'ai pas peur. Commençons. Ça devient absurde. Combien de fois dois-je te battre? C'est incroyable ce que cette brute avait dans le ventre. Quelle déception. En fait, j'aime bien. Ça ne me fait pas plaisir de l'embarrasser. Graham, cette andouille ne nous acceptera jamais. Il devrait s'en tenir au tricot. Une fois de plus, tu laisses une ouverture. Ah, je me demande si les lits sont doux au château. Encore une victoire! Huissier, s'il vous plaît. Le décret 3214? J'en ai peur. Incroyable. Encore, tu dis? Hey, ça te dirait qu'on rende les choses encore plus intéressantes? C'est une idée qui me plaît. Rapportez ces coupes ici. Mais seulement deux. Ok. Garde! Maintenant, insérez la dernière poudre hypnotique. Tu es plein de sagesse. Garde, si vous voulez bien mélanger. Maintenant... je choisis. Et maintenant, tu choisis. Oh. Tourne ceci. Ça paraît bien. L'effet de la poudre semble disparaître. T'as hypnotisé Manny, sans même essayer de le battre directement? On a le droit de tricher avec les tricheurs.
fais pas assez attention, Graham. J'ai gagné. Fais plus attention cette fois-ci. Encore une victoire. Huissier, s'il vous plaît. Le décret 3214. J'en ai peur. Incroyable. Tu veux danser? Eh, ça te dirait qu'on rende les choses encore plus intéressantes? C'est une idée qui me plaît. Rapportez ces coupes ici. Mais seulement deux. Ok. Garde! Maintenant, insérez la dernière poudre hypnotique. Tu es plein de sagesse. Garde, si vous voulez bien mélanger. Maintenant, je choisis. Et maintenant, tu choisis. Oh. Tourne à droite. Ça paraît bien. L'effet de la poudre semble disparaître. T'as hypnotisé Manny, sans même essayer de le battre directement? On a le droit de tricher avec les tricheurs. J'ai réussi! Garde! Je suis prêt pour le décret 3-2-1-4! En fait, je crois que c'était le décret 1-21. Ah, on savait que tu en étais capable! Tu n'es pas dans l'Alliance! Je ne peux pas perdre face à toi! Que dis-tu d'un autre défi? On n'a qu'à régler ça dans un duel d'esprit! Un vrai gentilhomme gagnerait aussi dans un duel de force! Graham, prends ça! Voilà. J'ai réussi! Garde! Je suis prêt pour le décret 3-2-1-4! En fait, je crois que c'était le décret 1-21. Ah, on savait que tu en étais capable! Tu n'es pas dans l'Alliance! Je ne peux pas perdre face à toi! Que dis-tu d'un autre défi? On n'a qu'à régler ça dans un duel d'esprit! Un vrai gentilhomme gagnerait aussi dans un duel de force! Graham, prends ça! Voilà. Encore un défi. Tu penses t'en tirer? Dans un duel de vitesse? Non, Manny, c'est fini. Ce ne sont pas toujours les forts qui gagnent la guerre, ni les rapides qui gagnent la course. De même, on peut vaincre les malins et je crois que mon heure a sonné. Allez, Graham, encore un duel pour Achaka.
pour le village des Tritanguiens affamés. Hop, 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 hop. Vous dites que ce village abrite les Bigratouliens. Quel est votre plan, en fait? Parce que je commence à... Duel de vitesse! Non, Ram, il n'en vaut pas la peine. La grève du pont résolue, les boutiques pouvaient être de nouveau approvisionnées. Les affaires reprirent enfin. Les loups Wetzel cessèrent leurs attaques et migrèrent au nord. Même les gardes se mirent à faire plus attention en marchant. Au bout du compte, cette première journée à Daventry s'était bien passée. C'était waouh! Attends, tu as affronté un dragon, tu t'es fait des amis étranges, un duel d'esprit, je comprends pas. Quoi donc? Après une telle aventure, on deviendrait plutôt fou allié que chevalier. Oh, dis-moi, était-ce ton premier jeu de mots? Je crois bien. Mais quand même, j'ai un peu honte. Oh, ils grandissent si vite. Le tournoi, il va commencer. Tu ferais mieux d'y aller, jeune fille. Bonne chance. Et surtout, n'oublie pas, remporte le duel avec bonté. Tu m'as pourtant parlé de vivacité d'esprit. C'est vrai. Ressonger au passé m'a rappelé certaines choses que j'avais oubliées. Mieux vaut faire ce que je fais, pas ce que je dis. D'accord, grand-père. Merci. Tu vas regarder ? Bien sûr, bien sûr. J'y vais dans un instant. J'espère que tu t'es entraînée, Gwendoline. Non, j'ai juste entendu des histoires. Il faut faire un effort. Arrête ça! Attrape! Mais... qu'est-ce que... tu fais? Juste une provocation. Eh ben, ils sont tous bons. Pas mal. Les enfants! Venez, vite! C'est votre grand-père!